Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Skyrim. Nous sommes partis pour la corne de Jürgen Parlevent. Tu regardes rapide. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Moi, ça me plaît bien, ce genre de choses. Donc, retrouver la corne de Jürgen Parlevent. Donc, on a parlé au Grisbarb, on a pris quelques mots sympathiques. On a pris quelques cris. Donc, on est parti, je vais récupérer mon déferlement ou l'ascension d'âme. Ouais, allez, hop. Allez, c'est parti. Où qu'il est là-bas. On va se faire un petit épée parce que le chemin jusque là-bas va être long. On est full gunter. On est parti, on va aller voir ça. On va récupérer la corne, on va le ramener. Et puis comme ça, on aura lancé la quête principale de Skyrim. On était déjà dedans depuis le début du jeu. Hein. Mais après 41 niveaux, j'avais pas encore été voir les Grisbarb. Je trouve que c'est pas mal. Alors je pensais peut-être aussi augmenter un petit peu mes autres compétences. J'ai pas envie de passer spécifiquement pour le moment, en fait, l'archerie en légendaire. Quoique ça serait bonne idée, mais je risque de perdre pas mal de points, en fait. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe l'archerie en légendaire? Mais je risque de perdre pas mal de choses. Je risque de tout perdre, en fait, et ça me gonfle. Mais je récupère les points, c'est ça qui... Parce qu'en fait, quand on passe en légendaire, on récupère les points qui ont été mis dedans, donc ça me ferait 11 points à mettre autre part, ce qui serait bien, hein, je dis pas le contraire, mais du coup je perds pas mal de choses, et ça risque de bien en chier. Alors est-ce que je tente ça? Est-ce qu'on tente le truc? Comme ça me permettrait au moins de... Allez, vous savez quoi, hein. Rendre une compétence légendaire ramène à 15 points et lui enlève tous ses atouts, êtes-vous sûr? Oui, comme ça je peux continuer à monter mes trucs et je vais continuer à monter de niveau. Allez, soyons fous. Tada! Donc là, du coup, on a récupéré 11 points. Je peux mettre cet atout là. Du coup, j'ai perdu tout le reste. Mais c'est pas grave parce qu'on va l'utiliser. Est-ce que je garde mes atouts ou est-ce que je peux en mettre autre part? Genre en furtivité, je suis à 83 points. Est-ce que ça serait intéressant peut-être de mettre... Là, je pourrais en mettre 3 quand même, hein. Et je passerai en fufu, mais de malade, quoi. Putain, je pourrais mettre 4 points là, quand même, hein. Et là, du coup, on aurait une bonne vieille furtivité, quand même, hein. Bon, allez, vous savez quoi, hop, comme ça, on se tape tout. 2, pied léger. 3. 4. Et bim! Voilà! Là, c'est pas mal. Donc du coup on est passé à 40%, on a récupéré le déclenche PA, le piège au sol, ça c'est parfait. Courir en furtivité fait exécuter une roulade en avant, ça faisait longtemps et je l'aime beaucoup. Marcher et courir n'affecte pas la détection. Eh ben écoutez, voilà, on va niquer tout le monde comme... Pardon, c'était violent. Est-ce que je peux récupérer archerie? Je peux récupérer évidemment qu'un point. On va garder les autres points pour récupérer l'archerie parce qu'on va forcément le monter. Mais là du coup on est passé à 40% de fufu normal, on a la dague en plus, on a tout ce qu'il faut. Je trouve que c'est pas mal. Moi ça me plaît bien. Grelot de la mort, comme ça je les récupère. On tape une petite sauvegarde, comme ça on est sûr que tout allait bien. Hein, parce que si le disque sort et que du coup je suis niqué comme d'habitude. Mais l'avantage, c'est que j'ai gardé la truc... Et je vais pouvoir remonter. Alors, arclier, je vais garder... Est-ce que je prendrais pas un atronach, quand même, juste pour me protéger au cas où? Allez, on va faire ça. Atronach de quoi? De feu? C'est quoi? C'est des morts vivants, de toute façon. Allez, hop, on garde celui de feu. Au moins, on aura ça. Ce qui est bien, c'est que l'atronach va distraire les ennemis pendant que je serai peinard en train de les dégommer à distance. C'est une technique de lâche et je l'assume complètement, mais c'est une technique que le jeu me permet, donc je vois pas pourquoi je vais m'en priver, hein. Et si on peut récupérer des ingrédients au passage, je dis pas non. On les mangera tranquille peinard à la maison. Alors là, ce qui est frustrant, c'est que j'avais tout bien et que maintenant, j'ai plus rien. Fuck. Ça aurait été joli qu'ils passent entre les deux arbres et qu'ils finissent tranquillement dans... Bref. Je sens qu'on va se marrer. Ok, il est là en arrière. Alors moi, ça m'énerve les animaux qui peuvent nager dans l'eau comme ça.
crotte. Parce que ouais, j'ai même plus le zoom, j'ai plus rien. Hein. Il faut bien se rendre compte que là, c'est la dèche de la dèche. Mais bon, c'est pas grave. Ok, super. Alors déjà, ça commence bien. Allez, vas-y, balance ton truc, toi. Parce qu'ils se battent entre eux ou pas? Merde. Ouais, sauf que moi... Oh putain, l'archerie va monter à une de ses vitesses, ça c'est parfait. On va pouvoir je pense qu'on va vite pouvoir récupérer les trucs. De quoi un orc est capable. Et c'est que t'es pas encore mort toi? Et t'as bugué? Mais là c'est du cadeau. Mais là c'est cadeau. Là c'est cadeau mon ami. Alors. Par contre si l'archerie monte aussi vite, ça va être royal quoi. Ah ouais par contre... Quoi? Il l'a pas eu? Ah non mais c'est quoi ce délire? Il se met sur la gueule, c'est bien. Par contre, faut surtout pas que je prenne ça, sinon je vais dérouiller. Oh mais comment là? Alors par contre, compétence archerie. Voilà, déjà ça, ça sera pas mal. Ah ouais, d'accord, ça monte aussi vite. Bah écoutez, parfait. On va récupérer ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai chopé sur j'ai dû choper une arme, non? Dague d'acier, on s'en fout. Par contre, j'ai tué les autres, non? Non. Ah, mais c'est qu'il est là, parfait. Il a bien quelques petits trucs, lui, non? T'as bien des pièces d'or ou des trucs comme ça hein, des... Ah, bah crochet, lingot, allez hop, ça c'est bon ça. Allez, on est parti. Donc, l'archerie monte très vite au début, j'avais pas zappé parce que là en 3 ennemis, je me suis fait pratiquement quoi 5 points 6 points 6 points d'archerie. Bah écoutez, c'est parfait, donc si après je peux récupérer 10%. Non, si je préfère 40 points, stabilité. Donc 1, 2, 3, ça me fait 3 points, je peux récupérer tout ça et on va pouvoir revenir à niveau assez vite, hein. C'est parfait. Allez, go. Comme ça, ça me permet de faire plein de choses. Ça va peut-être me permettre aussi de monter de 1 ou 2 niveaux. Donc, ce qui va me permettre de récupérer 3 points. Enfin, 2 points, pardon. Non, c'est parfait. Allez. Ben voilà, on est bien. Est-ce que j'ai le temps de boire un coup? Est-ce que j'ai le temps de m'hydrater le corps? Oui, j'ai le temps de m'hydrater, parfait. Donc dans le pire des cas, on a toujours de la popo, il me semble. On a toujours de la popo. On a toujours de la popo dans le pire des cas. On a la tronac s'il faut. Alors, je lui fais déjà pas mal de dégâts, c'est très bien. Il me semble qu'il y en avait un autre, non? Non, raté, je suis là.
Ah, c'est un grand nécromancien. Vite, parcours. Ah putain, mais ça c'est chiant. Elle s'est soignée la garce. Je déteste la glace. Tiens, on va les occuper. Merci. Ah non! Alors ça, c'est mortel. Ouais, voilà quoi. Voilà. Je le sentais pas, et bien j'avais bien raison. Voilà. Dégomme. Si je dégomme le grand truc, lui va se casser. Putain! Moi aussi je peux me soigner, pétasse. Et attends que mon cri revienne. Attends que mon cri revienne. Tu vas prendre tellement cher, tu vas rien piller à ta vie. Saleté. Oh, mais dis donc, vivement que ça revienne par contre le truc. Voilà, et lui normalement a dégagé. Voilà, parfait. Eh ben. Bon, on est passé à combien maintenant? À 24. C'est combien le premier point là? 30. Et là c'est 40. Ok, et là c'est 30 aussi. Et là je pourrais mettre. C'est 40. Ok. Bon, on va continuer comme ça. Régénération de magie. Est-ce que j'ai le pour l'enchantement ça? J'ai un doute. J'ai un doute sur le fait de... Coucou toi. Ça s'est mal passé. Ali d'outre-tombe. Est-ce que je l'ai déjà? Je le savais. Livre. Est-ce que je l'ai déjà, Ali d'outre-tombe? Ali d'outre-tombe. Ouais, ok, déjà. Donc lâche. Hop. Ouais, voilà quoi. On va la laisser se mettre dans la gueule. Ma puissance va au-delà de votre imagination. Laissez-les se mettre sur la gueule, y'a pas de soucis. Comme ça, on le fait en grochemette. Oh, c'est pas beau ça. Oula. Voilà comment on fait, tiens, et comme ça je monte l'archerie comme un gros porc. Voilà. On va vite y arriver au 30. T'as pas envie de te soigner un petit peu, non? Et maintenant, on récolte. Voilà, c'est tout beau, tout propre. C'est vicieux, c'est sale. Recette de créateur. Ah, ça m'intéresse par contre. La technique de vieux sale, quoi. De lâche, technique de lâche. Quoi que le rubis ici. Alors, y a-t-il d'autres trucs comme ça sympathiques? Alors ça, je connais.
T'avais plus dedans la gemme? Ok. Non, parce que les petits pièges comme ça à la con, là, vous savez, vous sautez dessus comme des blaireaux. Hein? Et puis boum, vous mourrez. Et puis après, vous revenez 10 mètres ou 20 mètres en arrière. Et encore, c'est pas énorme, c'est 20 mètres. Vu que j'ai quand même le réflexe de sauvegarder assez souvent. Ah, elle est vide. Ça sert à rien de chercher dans les pots vides. Alors. Qu'est-ce que je dis? Hop. Potion de magie, ça c'est toujours bon à prendre. Ah, arrête de chercher là. Ah oui, mais je suis con. Alors attendez, bougez pas. On va le prendre en quoi? Je suis déjà 400 en magie, mais ça c'est avec les trucs. Santé ou vigueur? Santé. Voilà. Alors archerie 28, je peux toujours rien prendre puisque c'est 30. Donc après je vais pouvoir prendre les deux là, les tirs critiques. Et la stabilité, mais ça va être un pur bonheur, c'est la stabilité. Je sens que cette vidéo va être productive, je sais pas vous. Je peux pas passer là? Alors, c'était comment encore la roulade? Attendez. Il y avait une technique sur la roulade. C'était comment la roulade? Je sais que je reviens en arrière, hein. Mais attendez. Comment est-ce que tu l'as fait? Furtivité, furtivité. Marcher, courir en furtivité. Ah ben, pourtant, je suis en fufu. Ah ah! Voilà, merci. Ah, c'était juste un bonheur, ça. Ce serait bien d'avoir la carte, non? Non, il veut pas? Ok, démerde-toi tout seul, c'est ça? Ah, merci. Tiens, il y avait un chemin là-bas que j'ai pas vu. Oh, allez, mais fous-moi la carte, c'est pas possible ça. J'ai loupé un chemin là, c'est possible hein. Ah non, c'est que ça doit être là. Oh et merde hein, sans déconner, c'est grave ça. Ouais, d'accord, ok. Il y a un levier quelque part? Il est peut-être de l'autre côté le levier hein. C'est fort probable aussi. Ouais, hop, de toute façon, faut bien qu'on avance. Celle d'après. Merci. C'est frustrant ça, hein. Merci. Quand même. Merde. Allez, encore deux. Encore un point et je peux prendre... Ce qui est bien, c'est que je dois même plus me soucier des pièges. C'est juste royal ça. Attendez, on va quand même un peu visiter le truc parce que ce serait dommage de passer à côté de certaines choses. Bon bah non, pardon, c'est le seul truc. J'aimerais bien des ennemis, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît? Histoire que je monte mon truc. J'ai pris un vieux livre de merde, là, non? Je crois que
crois que j'ai pris un vieux livre de merde qui me sert à rien. Ah bah dis donc, j'en ai des... ouais, j'en ai un petit peu beaucoup. Coucou, c'est Bibi, ça fait longtemps. Hein. Ah, une porte. Oh, de la bourse. Tréfonds Juston Grave. Allez, bah c'est parti. Je rappelle que nous sommes toujours à la recherche de la corne de Jorgen Parlement. Oui, j'aime bien faire des sauvegardes rapides qui ne servent pas à grand chose. Alors, normalement, je crois que je peux, si je me rappelle bien, en dégommer de là, non? Y'a aucun ennemi là? Tu déconnes. Je suis sûr qu'il y a des ennemis là, c'est pas possible. T'en as toujours des ennemis là. Mm-hmm. Bon, bah écoutez, on va y aller à l'ancienne. Hein. En mode lâche et... Allez, fais-moi passer le 30. Merde. Espèce de sale petit. Viens ici toi. Attends que je te chope, mon pote. Ah bah je pensais qu'il allait me faire passer au 30. Ah bah tiens, un ami. Voilà. Alors, il doit en avoir un autre là. Où est-ce qu'il est l'autre? Il est là. Oh, tu me le fais passer au 30 là, comme ça je peux mettre mes deux points, s'il te plaît. Non, il veut pas. T'en as pas un autre là? Je vais en avoir un caché là dans le tas là. Non? Rien? Que pouic? Ah bah que pouic. Tant pis pour moi. T'es mort toi? Oui, il a l'air. Ah ah! Eh ben voilà! Compétence. Oui, je ça ne va plus, hein. Je sais bien, y a pas de problème. N'ayez pas honte de me dire que je suis légèrement taré. Archerie, parfait. Alors, faisons-nous plaisir un petit peu. Voilà, ça fait plaisir. Tic critique, ah ben bim, on le reprend. Et qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Ça c'est 50. Ah bah écoutez, on va déjà prendre. Donc là c'est 40, là c'est 60, parfait. Là c'est... œil de lynx, de toute façon, c'est tout, donc 40, 40 et 60, ok. Mais déjà rien que le fait d'avoir le zoom, c'est un bonheur. Alors j'ai pas encore le ralenti, mais bon. Ah oui, merci. Merci, 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 merci. Ouais, c'est vrai que du coup, sans le ralenti, c'est folklorique. J'ai besoin de thunes. Hein. J'ai vraiment besoin d'argent. Plus j'aurai d'argent, plus je pourrais augmenter le niveau avec les maîtres, comme ça on gagne du temps, on se fait pas chier, on monte de niveau, on prend des perks. Je suis là. Raté.
Je viens de là, non? Ouais, si. Je pense que le chemin est par là, non? J'ai un doute. Il faut que j'arrive là, donc il faudrait que je passe par là, peut-être, non? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Merde, là par contre j'ai un doute encore plus gros. Est-ce que je vais pas revenir en arrière si je... Ah non, j'étais peut-être sur le bon chemin en fait. Je sais plus par où je suis arrivé. Ah si, je lui ai mis la flèche à celui-là, donc oui, donc c'était par là. Pardon, 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 pardon. C'est Bibi, c'est moi qui me... Voilà, là on est bon. Oui, c'est ça. Ouh. Du feu. Alors, ce qu'on va faire. Coucou. Coucou. À quelqu'un? Voilà, super. Donc on va attendre qu'ils arrivent tranquillement. On va pas se faire chier. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Tiens, voilà, bim. Il y a quelque chose qui s'est ouvert dans le coin ? Il est où celui que j'ai dégommé ? Il est parti là, c'est lui, c'était lui là. Ok. Attendez, parce que du coup j'ai vu la... Tant que je suis là. Est-ce que j'avais chopé le sort? Ok, d'accord, robe de surgeon, je l'avais déjà. Ok. Pourquoi j'avais pris l'épée de Falmorn? Ah, les amis, ça fait... Ça va faire 30 minutes, là. Ça va faire 30 minutes. Oh, putain, c'est chiant, cette carte. Pourquoi elle fait ça? Ok, bon, bah écoutez, on va se quitter ici. Hein. Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime, petit commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a plus tout le monde. Salut, salut!